C'est dans les soucis de matérialiser la vision des chefs de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la gratuité de l'enseignement des bases, et les fonds des Nations Unies pour l'enfance, en collaboration avec le gouvernement de la République, ont organisé cette campagne de sensibilisation d'inscription gratuite de tous les enfants à l'âge scolaire, filles et garçons à l'école. Les activités en appui à l'inscription pour l'année 2022-2023 visent à inscrire tous les enfants à l'école en première année primaire. Le directeur provincial ad intérim de la province éducationnelle de la province du Bas-Uele, M. Bertin Solo, a fait savoir que les filles et adolescentes sont doublement marginalisées car le plus souvent, elles sont victimes de violences liées au genre et des grossesses précoces mettant en péril leur scolarisation. C'est pourquoi la rentrée scolaire 2022-2023 se fixe l'objectif principal de mobiliser les parents en vue d'envoyer tous les enfants à l'école. M. Mokhtar Anne, chef des bureaux UNICEF Kisangani, a souligné que malgré les gouvernement de la République décréter la gratuité de l'enseignement primaire, les défis restent encore énormes en termes d'accès aux établissements scolaires pour les enfants vulnérables. C'est pourquoi il plaide auprès du gouvernement provincial d'appuyer toutes les écoles de la province du Bas-Uele en dispositif lavage de mains et autres intrants nécessaires favorisant l'application des mesures de barrières au sein des écoles. Pour le ministre provincial de l'Éducation, M. Freddy Ndombe, cette année scolaire 2022-2023 est déclarée l'année pédagogique en suivant la Déclaration universelle des droits de l'homme et de rendre l'enfant du Bas-Uele utile à lui-même et à la société dès l'école primaire. Le gouverneur de la province du Bas-Uele, Jean-Robert Zanzabombiti, a dans son mot, avant de lancer officiellement cette campagne, demandé aux parents de prendre leurs responsabilités en main car l'UNICEF ne peut tout faire pour nos propres enfants qui sont les futurs cadres de demain. Le gouverneur de la province du Bas-Uele, Jean-Robert Zanzabombiti, a remis à titre symbolique les fournitures scolaires à un échantillon des élèves.